jaga o pero de tine jaga do mi pon de tine jaga mi pon mi pon de tine jaga do mi pon de tine jaga o pero de tine jaga do mi pon de tine jaga mi pon mi pon de tine jaga. Si la récolte des régimes de noix de palme du palmier traditionnel relève depuis la nuit des temps de la responsabilité des hommes, la spécialité de la transformation demeure jusqu'à ce jour une affaire de femmes, surtout des femmes paysannes. Justement, nous voici à Tchakla, un village de la commune d'Avrankou, au Bénin, dans une usine de transformation artisanale de noix de palme en huile rouge. Mino de aninando po o sino wa mino wa ko do mi wa no adonsin wa mino wa ba ipelebe ran wa yero yero do pelebe la wa no gona aninalo wa mino do no fro omi oro.
prendre des camps,
Situation identique chez le voisin de l'Ouest. Des échanges avec les femmes d'Assau à Tchanvé, un village de la préfecture de Vaud au Togo, ont montré que les paysannes et les transformatrices de l'huile de palme, du palmier traditionnel en Afrique de l'Ouest, ont les mêmes histoires et les mêmes inquiétudes. À juste titre, les plantations de palmiers à huile traditionnelles ne font plus aujourd'hui l'objet d'attention. Si elles ne sont pas abattues, elles finissent tout simplement par être remplacées par d'autres aménagements. À 4 ans, 5 ans, le palmier sélectionné vous donne jusqu'à entre 15 et 20 régimes, de 3 à 5 kilos. Et au fur et à mesure qu'il grandit, le nombre de régimes diminue, mais le poids augmente. Le naturel, lui, reste stationnaire autour de 4 régimes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au niveau donc du Bénin, et sans grand tapage, hein, on a tous les paysans aujourd'hui sont tournés vers la palmeraie sélectionnée. Il s'agit là d'une révolution pour le meilleur, pourrait-il sembler, mais surtout pour le pire, au détriment des paysannes et des transformatrices. Mi pon de tine jaka, 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 mi pon